Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuerafa.com pour une recette inédite d'ailes de lapin. L'une de mes recettes favorites au barbecue, ce sont vraiment les wings, les ailes de poulet. C'est hyper bon parce que vous pouvez mixer les rubs, vous pouvez mettre de la sauce dessus ou après, vous pouvez les tremper dans la sauce. C'est vraiment finger food, vous pouvez manger ça devant un match, sur un plateau télé, c'est vraiment super bon. Et là, je reviens du Québec et alors j'ai vu quelque chose d'assez incroyable, ce sont des ailes de lapin. Alors au début, je me suis dit, putain, comment ça se fait, qu'est-ce que c'est que ça? Ben voyons donc, comme ils disent les Québécois. Et après j'ai cherché un petit peu et en fait c'est une spécialité. C'est pas vraiment des ailes de lapin parce que j'ai pas vu beaucoup de lapins voler, mais c'est la gigolette de lapin, on appelle ça en français. C'est en fait l'épaule de la patte avant qui a vraiment ces trois parties exactement comme du poulet. Et c'est vraiment super bon, super tendre. Donc voilà, c'est plutôt une appellation commerciale, les ailes de lapin. Mais ça fait son petit effet comme ça et on va la faire au barbecue. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Donc voilà, moi mon boucher m'a donné des moitiés de lapin. Donc là c'est le corps, là c'est le cou, on voit bien le diaphragme ici. Alors ce que l'on va faire en fait, donc je vous ai dit que c'était gigolette de lapin. Donc en fait c'est vraiment la pâte avant. Donc pour ça, on le met sur le dos, on écarte comme ça. Et ici on va venir faire une entaille et vous allez voir ça va s'enlever tout seul. Bon, ici. Voilà, en voilà une. Et là, pareil, on va faire une entaille ici. Et on va pouvoir découper la pâte avant. Voilà à quoi ça ressemble, vraiment à des ailes de poulet avec les trois parties, donc le pilon, l'aileron et la petite ailette. Voilà. Et c'est vraiment très tendre, hyper goûteux, c'est vraiment super bon. On va faire un petit rub pour accompagner tout ça. On va pouvoir faire un petit rub, donc d'origine, allez, on va dire un petit peu plus Tex-Mex parce qu'il y aura des épices chili. Donc on va commencer avec 2 cuillères à soupe de cassonade. Donc quand je vous parle d'une cuillère à soupe, c'est environ 15 grammes. Donc là, on met 30 grammes de cassonade. On ajoute une cuillère à soupe de poudre d'ail, donc 15 grammes. 15 grammes de poudre d'oignon. 15 grammes de paprika. 15 grammes de moutarde en poudre, comme ça. Alors, si vous trouvez pas, on trouve facilement de la moutarde en grain et il suffit juste ensuite de le concasser. 15 grammes d'épices à chili. Alors ça va apporter un petit kick comme ça. Donc voilà, moi je les achète à métro directement, épices chili. Une demi-cuillère à café de coriandre moulu. Donc là, bah, ça représente 2-3 grammes. Hop, allez, moi je finis ça. Et pareil, 2 grammes de cumin. Donc là, faut y aller tout doucement avec le cumin. Voilà, ça représente une demi-cuillère à café. Et on finit avec 15 grammes environ de sel. Pas besoin de poivre, avec la moutarde et les épices à chili, ça va déjà avoir ce petit kick. Je mélange le tout et mes épices Tex-Mex sont prêtes. On mélange bien le tout. Et alors vous voyez si ça fait des... J'ai envie de dire des petits grumeaux, des petits paquets comme ça. N'hésitez pas à prendre une cuillère à soupe et avec le dos, vous écrasez. Ça se peut que certaines épices aient pris un petit peu l'humidité comme ça. Elles se sont agrégées les unes aux autres. Donc voilà, vous passez comme ça. Ou alors, l'autre solution, si vous faites des grosses quantités comme le Sopasco par exemple, pour moi que je fais sur juste avant la saison ou voilà quand je fais fumer plusieurs choses, je le fais, je passe directement dans mon KitchenAid. Et du coup, ça va bien mixer le tout, en fait, ça va enlever ces petits grumeaux. Voilà, c'est bon, c'est prêt. Pour rappeler un petit peu le lapin à la moutarde, vous pouvez mettre un mop moutarde, donc mettre une ou deux cuillères et puis vraiment venir masser le lapin avec. Ça va permettre de faire adhérer les épices. Moi, je vais mettre du vinaigre de cidre comme ça. Donc voilà, j'en mets un petit peu partout. Voilà, comme ça, c'est suffisant parce qu'après, comme on va les tremper dans une sauce barbecue à l'érable, eh ben, ça va permettre de contraster le sucré de la sauce barbecue à l'érable avec l'acidité que l'on va retrouver dans ce vinaigre de cidre. Et après, il suffit tout simplement de parsemer mon rub Tex-Mex sur les ailes de lapin. Hop. Et vous voyez, ça vient bien, hein, le terme aile de lapin finalement. Hein. Une fois que l'on a bien mis ce mélange d'épices, c'est parti pour une cuisson barbecue. J'ai placé mon barbecue selon la méthode Vortex, donc en mettant les braises vraiment au milieu, comme ça la chaleur va monter, va se répercuter contre le couvercle et va redescendre sur l'aliment. Et je vais pouvoir disposer du coup les petites ailes de lapin, comme ça justement, ailes de lapin, en mettant la partie la plus charnue vers les braises. Voilà,
comme ça. Et comme le lapin est considéré comme une volaille, on va laisser cuire ça jusqu'à une température interne de 74 degrés. Et pendant que ça cuit, comme c'est une recette que j'ai découverte au Québec, on va faire une sauce barbecue au sirop d'érable. Alors, je commence pour faire la sauce barbecue toujours avec la même base, donc environ 125 ml de ketchup, et je vais rajouter autant de sirop d'érable, 125 ml. J'apporte ensuite un petit goût acide avec du vinaigre de cidre, donc environ 30 ml. Pour la couleur, mon ingrédient secret, c'est toujours le même, c'est la mélasse que vous trouvez directement dans les magasins bio comme ça, et ça va participer à avoir une belle couleur brune de la sauce barbecue, donc là je vais rajouter environ 15 ml. On a travaillé une partie du goût sucré, la partie acide et la fameuse cinquième saveur avec la sauce Worcestershire, bon en gros la sauce anglaise. On va rajouter une cuillère à soupe. Pour être dans la continuité de l'odeur du rub, on va pouvoir prélever 3 cuillères à soupe du rub que l'on vient de faire. Donc comme ça il y a déjà toutes les épices, le paprika, l'ail, la cassonade, il va y avoir tout pour rappeler ce goût là. Et ensuite on va bien mélanger tout ça pour que très simplement sur un feu très très doux, pour que le tout puisse bien s'épaissir, que toutes les saveurs puissent bien se mélanger jusqu'à dissolution complète et totale des épices. On fait ensuite le test de la cuillère, donc il faut que ça nappe bien, voilà, comme ça, c'est que c'est parfait au niveau de la consistance. Si c'est un petit peu liquide, c'est pas bien grave, parce qu'en fait, on va juste venir plonger les ailes de lapin à l'intérieur sur les 5 dernières minutes de cuisson pour que ça caramélise et que ça donne un bon goût de sauce barbecue. Voilà, au bout de 15 minutes, il est temps de les retourner. Et sur les 5 dernières minutes de cuisson, ce que je vais pouvoir faire, c'est venir directement tremper l'aile de lapin, hop, ici, et venir la remettre en cuisson. Donc là, mon barbecue est environ à 225 degrés, voilà. Pouvoir le faire pour tous, les tremper dans la sauce barbecue à l'érable. Ça va être terriblement bon. Grâce à mon thermomètre à lecture instantanée, je vais pouvoir prendre la température au cœur de la viande du morceau le plus épais. Voilà, 72, 73, 74,3. On est absolument parfait. Voilà, on va pouvoir les enlever et les déguster. Allez, c'est l'heure de goûter ça, donc vous avez vu, là, c'est vraiment comme une aile de poulet, c'est vraiment super sympa. Alors, il n'y a pas le côté croustillant de la peau du poulet, mais sachez que cette viande-là, elle est 50% moins grasse que du poulet, et c'est beaucoup plus charnu, il y a beaucoup plus de viande sur une aile de lapin, du coup. Allez, on va goûter ça. Waouh, c'est vraiment super tendre, très juteux, c'est vraiment super super bon comme ça, ça se mange à la main, donc ça c'est très barbecue spirit, franchement j'adore, super idée les Québécois, c'est vraiment original, bon, ce rub Tex-Mex relève un petit peu la douceur du lapin. La sauce barbecue à l'érable va caraméliser le tout, comme il n'y a pas de peau, ça va lui donner un petit côté croustillant, craquant, c'est vraiment super bon. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette recette d'aile de lapin qui n'est pas finalement qu'une appellation commerciale, mais une vraie recette super bonne. Donc de la gigolette de lapin, vous pouvez demander à votre boucher. Et pour d'autres recettes, astuces au barbecue, à la plancha, au fumoir, ce que vous voulez, rejoignez ma communauté de fans de barbecue sur la page Facebook, viens liker et abonne-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt !